Et salut à tous et à toutes, c'est Grandetre, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 10 de notre let's play sur Inscription, le dernier épisode. J'ai un peu avancé par rapport à la dernière fois, et je retourne les 10 premières minutes puisque j'étais débile, et tout à l'heure j'ai record un truc sur le jeu, et du coup j'ai dû couper mon micro, et du coup j'ai oublié de le remettre. Let's go. Un vrai professionnel ici, c'est ça qui est génial. Heureusement, je m'en suis rendu compte, et pas à la fin de la vidéo. Mais bref, du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? J'ai été pas mal frustré l'épisode dernier vu qu'on n'avait pas beaucoup avancé. On avait mis une heure et demie pour. Et on avait toujours pas réussi à battre les trois mini-boss pour vraiment continuer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué. J'ai perdu, je crois, une demi-heure à peu près pour réussir finalement à les battre. Et après, le jeu, ça a été boule de neige. Et on a avancé de plus en plus vite. J'ai récupéré ici, en cheatant, en allant voir sur le. Sur le. Sur une, un guide. Quel était le code pour l'ouvrir? Donc c'était 4 heures. Qui correspond, je sais plus à quoi. Et ça nous a donné l'Ouroboros, donc la carte 7-7 qui revient des cameurs dans notre deck. Enfin, dans notre main. Donc en fait, on la pose, on est quasiment sûr de gagner. Et sans ça, j'aurais jamais gagné. Mais voilà. On a battu. On a fait, du coup, j'ai fait un peu toute la zone, du coup, sans vous. Je vais retourner à. Ah, mais du coup, je peux pas. Ça, je vais devoir leur battre. Bon, en gros, imaginez que la zone c'est un peu comme la zone d'avant, en mode genre aux quatre coins, vous avez quatre boss différents et qu'il y avait quatre mécaniques différentes. En haut, enfin le premier que j'ai fait c'était en bas à droite, et en gros le boss lisait dans les fichiers enfin, les fichiers de mon ordinateur, ce qui était assez drôle. Et plus le fichier était lourd que je choisissais, plus ça allait impacter après, donc c'était cool, une bonne mécanique. Donc on l'a battu plutôt facilement. Le boss qu'on a fait après, c'était donc celui qui était en haut à droite, qui prenait en photo le plateau de jeu, je crois que c'était au début de mes tours. Et au début de chaque tour où il prenait une photo, soit je choisissais de prendre une nouvelle photo du plateau, soit je choisissais de remplacer le plateau enfin, tel qu'il était par la photo. Donc en fait, c'était très simple parce qu'il suffisait. Enfin, vous prenez toujours des photos où il n'y avait aucun adversaire et que des cartes à vous. Et bon, bah, c'était gagné quoi. Donc c'était facile. En bas à gauche, c'était un boss que j'ai dont j'ai choisi l'apparence et dont j'ai choisi les pouvoirs. C'était plutôt simple du coup on a choisi ses pouvoirs. Je crois qu'à sa première phase, j'ai pris un truc pour faire des dégâts dès que je posais des cartes, pour clean sa table, sans avoir à mettre des cartes d'attaque de mon côté, donc c'était plutôt facile. Et la deuxième phase, je sais plus ce que j'ai mis, mais ça faisait des dégâts pour aussi clean sa table et tout. Mais de toute façon, c'était la même stratégie pour tous, à savoir mettre la 7-7. Et dès qu'on a mis la 7-7, c'est gagné. Donc voilà. Donc en vrai, j'étais très salé à la fin de l'épisode d'avant. Mais ça va. L'espoir est revenu, le jeu est trop bien. Même si en vrai, je trouve que la stratégie, ça reste de mettre votre 7-7 et vous avez gagné. Et c'est ça pour littéralement tous les combats du jeu. Et quelle que soit la phase du jeu, que ce soit dans l'acte 1, acte 2, acte 3, c'était la même chose. Un peu dommage. Mais, it's ok. Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire? Que j'aurais pas dit. Oui, quand on a battu le premier boss, on a eu des séquences en mode comme ce qu'on avait eu sur le jeu un peu avant, en mode batterie faible, et après quand on revient, on a des séquences vidéo du gars qui découvre les cartes d'inscription et tout. Donc ça, je vais vous le mettre maintenant. Et on se trouvera du coup ici, là, pour le quatrième boss de la zone, qui est du coup en haut à gauche. Et je sais pas trop à quoi attendre, donc on verra. Donc bref, bonne vidéo, amusez-vous bien. Well, hello there, card gamers. Looks like my garage sale hunting days have finally paid off. Yeah. Yeah, baby. What do you guys see this? You know what that is? You know what that is? Vintage packs. Of Inscription. Four of them. I don't know if the woman knew what these are worth. I mean, I felt a little bad buying them off of her. But I mean, she's probably doing okay living in this part of town. I mean, it's a nice part of town, you know? And she would have thrown them away if I hadn't come by, right? Right. Okay. Big pack opening video incoming! Woo-hoo-hoo-hoo! Hello? Hi.
Hi, hello, is this Mrs. Hobbs? Hi, my name is Luke. Well, it's very nice to speak with you as well, Mrs. Hobbs. Listen, I was at your garage sale the other day, and I... No, everything's fine, thank you. I was just wondering if you remember those playing cards that you sold me? Those... Yes, those ones. Inscription, yes. They were your daughters? Would it be possible for me to speak with her? She passed, isn't she? Oh, no, I'm so sorry. Oh, it was a while ago. That's still terrible. Oh, it's nothing really. I'm sorry to have bothered you, ma'am. Her name was Casey. That's a lovely name. Sorry, what? She worked for Inscription? I mean, she worked for Game Funa? Ma'am, would it be possible? I see. Okay, yeah. Do you think it'd be alright if I called you back later? I'm just trying to get to the bottom of something. Okay. Okay, thank you so much. Okay. Alright, have a good dinner. Bye. Articles mention death or injury. Oh my god. No one was killed at the facility, and the tragically young video game developer Casey Hobbs died from fire-related complications. Fuck. She was working late at the facility, performing quality assurance on behalf of her employer, Game Funa. Le retour, let's go. Et bah c'est parti, hein. Parce que je me suis... Ouf. On va voir qu'on fasse beaucoup de dégâts. Vite. Il faut que je tue ces créatures aussi. On va voir. Sinon, je vais faire ce que j'ai... Comme dame, on va faire ce qu'on peut. On a 6 tours pour faire beaucoup de dégâts. Donc faut qu'on ait de la chance sur ce qu'on tire. En même temps, faut qu'on arrive à se débarrasser de ces cartes. Ah bah le robot, c'est parfait. Je crois qu'elle se scale sur quelque chose. Hein. Non, pas trop. C'est pas terrible. Mais bon, ce sont les deux premiers tours. En fait, c'est ça qui est dommage avec cette phase de jeu, c'est que vraiment, souvent, vos deux premiers tours ne servent à rien. En mi-tempo un peu. Je pense que je vais jouer ça. Je vais tuer sa créature.
5, je remets du courant de toute façon. Bon là, ne paniquez pas, ne paniquez pas, tout va bien. Tout va bien. Faut que je commence à mettre des dégâts. Le problème c'est que j'ai rien pour mettre des dégâts. En vrai ça va être un peu chaud. En vrai ça... C'est pas terrible mais... Ok. C'est un peu la merde. Ça je pense qu'il faut que je la tue. Elle me sert à rien. Après, en un tour, je peux faire très très mal en me remettant du courant, de toute façon. Et je pense que c'est ce qu'on va faire, de toute façon. Parce qu'on n'aura pas le choix. Ok, non, c'est bon. Au tour prochain, c'est ok. Voilà, parce qu'on va mettre le robot ici, c'est ok. On ne fait pas de misclic. On va faire ça. Et voilà. Voilà. Il est easy ce jeu. Tout va bien. C'est pour les bébés. Pas du tout. Donc tu vois à quel point c'est ardu. Équilibrer les cartes. Faire en sorte qu'elles s'intègrent bien dans le jeu. Réessaye. C'est parti. Carte que j'utilise jamais et qui aurait beaucoup de pouvoirs. En vrai, celle-ci, vu qu'elle a des pouvoirs et tout, il y a moyen que je puisse la dépenser en faisant un truc de folie. Elle me donne que un point avec tous les effets qu'elle a. Mais c'est nul à chier. Je veux une carte gratuite, une 1-1 gratuite qui n'aura aucun effet. Parfait. Et qui s'appellera petit truc moche, truc muche qui pendouille. Allez hop. On s'en fiche, on l'utilisera jamais. Ok. This card is OP. Merci le créateur du jeu d'intervenir pour ça. C'est bon? Est-ce qu'il est opérationnel? Je crois que la prochaine c'est le boss que j'aime le moins. Non mais superbe. Il y a quelque chose dans sa naïveté qui me met mal à l'aise. Mais il faut que tu l'affrontes. Décompression, sapristi pour un zip. Sapristi? C'est comme ça que je m'appelle. Tu peux m'appeler sapristi. J'ai tellement hâte. On va l'explorer. L'internet. J'espère que je vais avoir une bonne connexion. C'est parti. Est-ce qu'il va vraiment utiliser ma connexion? Je pense pas, non. Chouette, ça y est. Oh, c'est pas génial, l'internet? Alors si c'est à ça que ressemble une taupe. Oh, il va chercher des vraies images. Trop mignon. Ça va être drôle qu'il change mes images à moi aussi. 0-4 qui va bouger quand je vais attaquer. Je vais mettre ça, comme ça, s'il met des créatures. Oh chouette, je crois que je capte un signal. C'est qui ça? Ce sont tes contacts? Non. Ce qui aurait été très drôle, hein. Mais non. Bandito. Traumado. Bon, Traumado va mourir dès qu'il va arriver. Et l'autre, non. Après, je vais pouvoir l'occuper un peu. Après, j'ai utilisé aucun de mes pouvoirs. Pour l'instant. Ouah, nouveau signal! On essaye de t'envoyer une carte. Voyons voir si on peut la recevoir.
sapristi, ça n'a pas marché. Il y a un problème avec notre connexion. Je vais essayer de trouver une autre chose sur l'internet. Le roi des momies, mais c'est horrible. Mais c'est, ça ressemble à une momie. Il m'a fait enfiler ça, mais... Melon, une 1-2. Et une 2-4. Mais c'est qu'il faut que je commence à attaquer, quoi. Oh, je me tape de la merde. Après, une 3-3, c'est pas mal, mais j'ai pas assez d'énergie. Après, je vais mettre une 2-4. Je tuerai sa créature, mais cette créature va me tuer de toute façon. Bon, allez, vas-y. Fuck. Parfait, ce qui s'est passé. Du coup, je vais bloquer sa créature. Même si en vrai, ce qui est chiant, c'est qu'il accumule de l'énergie. D'accord. Oh, par contre, c'est que des cartes chiantes qui ont des effets de ouf et qui coûtent beaucoup trop de vie. Et moi, j'ai vraiment que des cartes nulles qui n'ont aucun effet. Après, je vais lui faire assez mal, là. Lui aussi me fait assez mal. Oh, je me tape apparemment des boucliers, des trucs nuls. Parce qu'elle a le vol. Et 3 de vie, je peux pas la buter. Après, quand elles vont se déplacer, si elles poussent vraiment, il y a moyen que ça fasse des trucs sympas. Après, je peux mettre des bombes partout aussi. Hein. Si je mets des bombes partout, ça tuerait ces deux créatures à lui. Plus... Ouais, ça va tuer, il me les mène aussi de toute façon. Sauf si je mets une carte ici avant. Ouais, je vais faire ça. Ne prenons aucun risque. Un peu inattendu, mais c'est ok. C'est pas vraiment la carte game changer que j'aurais voulu, mais bon. Oh, 3, 8, ah mais des cartes trop fortes, je fais quoi avec contre ça? En fait, si j'ai un mauvais tirage, quoi. Après, je lui fais mal, hein, mais bon. Mon Ouroboros, hein, jamais, hein. Ok, j'ai compris. Ce sont mes cartes pues. Ça va être un peu chaud, j'aurais dû piocher plus de trucs comme ça, mais je pensais avoir des meilleures pioches. Parce que ma 1, elle sert à rien, littéralement. Enfin, si, à tanker un peu ici, mais... Ouais, elle, c'est une 2. Si je la mets là, elle tank pour elle, et elle tue celle-ci. Mais elle prend toute mon énergie. Je pense qu'on va essayer de tempo. Hein. Le plus possible. Ouroboros. Chier. C'est de la merde. C'est de la merde et je vais mourir du coup. Tour prochain, je meurs, je pense. Quoique non. Si je me débrouille bien. Je suis ces deux créatures-là, ouais. Tac tac, et j'empêche elle d'attaquer. Mais je vais quand même prendre 4 de dégâts. Sauf si je fais ça. C'est pas non plus glorieux, hein, mais bon. Oh, non, mais regardez le nombre de vies des cartes qui me met, genre. Oh putain. Ah, il faut juste que je. Bah voilà, comment je gagne avec ça? Mauvais tirage, c'est de la merde, j'ai pas rien à faire. Et bah c'est loose. Il y en a qui volent ou pas? Surtout qu'elle attaque de côté. Non, il n'y en a pas qui volent. Il faut que je bloque ça 4. Il faut que je bloque ça 3. Mais je vais perdre de toute façon, quoi qu'il arrive.
fait, mon tirage a été merdique. Après, c'est pas très grave, c'est juste à côté, mais... On essaye. Tu veux refaire ça? Oh, décompression en zip. Il s'apprécie. Ah oui, t'as trop d'avoir internet. It's ok. En fait, faut que j'ai un meilleur tirage, quoi. Il est trop mignon. En fait, faut que je profite de sa phase 1 où il est inoffensif pour vraiment full piocher, en fait, je pense. Et pas le terminer tout de suite. Parce que sinon, je perds du temps, quoi. Pour plus tard. Est-ce que je fous le pioche déjà? Ouais, je pioche, hein. Oh putain. Vraiment de la merde, hein. On va mettre ça pour tanker un peu. Personne essaie de t'envoyer une carte. Est-ce que ça va remettre la momie? Vu un engin qui louche. Ah non, c'est full aléatoire, ok. C'est une personne sur internet qui a fait ça. Il y a des gens drôlement rigolos sur internet. C'est vrai. Trop drôle. Elle a quoi? Quand une carte en état d'emblème meurt, c'est une copie est ajoutée à votre main, plus dès qu'elle arrive, elle meurt. Superbe. C'est une quoi? 3-1. 3-1, par contre, c'est pas mal. Mais. J'ai envie de temporiser, mais il n'y a aucune carte qui a de la vie. Donc je serais obligé de me prendre un de dégâts. Après tant pis, hein, c'est que un dégât sinon au pire, mais bon. Tant pis pour le 20 de dégâts. Ah mais il commençait déjà à me mettre des cartes fortes en fait. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il mettait un peu de temps, il mettait quelques tours. Sinon tant pis, je le bourre, hein. Alors j'arrive, je fous 3. Oh d'aller, qu'est-ce que tu vas faire? Allez, go. C'est ça qui va revenir à l'infini. Attends, par contre, la carte, elle coûtait quoi? Elle coûtait rien, non? Elle coûtait 1. Ok, elle est forte en vrai. Robot bouclier, c'est pas oufissime. C'est ok, hein, mais... On peut faire un truc qui commence par Ouro. Mais. Aucun indice sur ce que c'est, évidemment. Aucune idée. Est-ce que je peux tuer ces créatures facilement? Je peux gâcher un truc comme ça. Ouais, non, j'ai pas assez d'argent de toute façon. On va pas faire de truc. En vrai, est-ce que je m'en fiche, hein? Je vais prendre un. Un peu. C'est vraiment nul. Après, je le bats. Ok, phase 2. Tu as eu une carte de l'internet? Tu ne penses pas que tu devrais rendre l'appareil? Faire une carte pour une autre personne? Une carte super forte. Genre tu la prends, tu gagnes. Presque. Mais je vais lui faire une carte merdique. Une 1-1 qui coûte super cher. Alors par contre... Et puis elle revient. Et one shot, non one shot c'est trop cher. Ça peut être drôle. Bon, du coup, je peux la faire coûter un peu moins cher, quoi. Alors, elle coûtera que 4, ça sera une 1-1. La créature en face a moins d'attaque, mais elle aura quand même plus d'attaque. Elle tue, mais au moins, elle revient. Ça
Enfin, ouais, c'est un peu drôle. Parfait. Énorme truc. Parfait. Je suis sûr que le point de l'envoyer sur l'internet. J'espère que ça plaira à la personne qui la recevra. Un instant. T'arrives pas? Une minute? Oh, je fais de mon mieux. Ça, c'est pas grave, hein, voilà. Je pense que personne n'a envie de la recevoir, tu sais. Il a réussi. C'est un peu la solitude, j'ai trouvé personne. J'imagine que tu peux prendre la carte. Ah non, il me l'a filé du coup. J'espère que tu n'essayes pas de faire une mauvaise blague. Non. Pourquoi tu dis ça? Putain, si j'avais su, j'aurais fait la meilleure carte possible. Alors par contre, c'est possible de me filer des bonnes cartes ou pas? Non, apparemment. Après, tant que la taupe est ici, c'est it's ok. Et tant que j'attaque pas, la taupe ne bougera pas. Donc je pourrais mettre une sauterelle pour tempo ici. Et je vais attendre un peu pour les autres trucs. Parce qu'en vrai, je peux... tempo à chaque tour. C'est de la merde. Elle a combien de vie? 6. C'est beaucoup 6. C'est vrai, j'avais oublié ce petit détail. J'ai aucune carte à lui mettre en face. Fuck. C'est quoi? Ma super carte. Génialissime. Ah, c'était même pas énorme truc. C'était vieux engin qui louche. Et ça. Oh, il fait quand même un de dégâts. Ah mais 3, c'est ça qu'elle se base sur ça. Donc, des fois j'ai des trucs de... Bon, bref, on s'en fiche. J'aurais pu la mettre en face de elle. Aïe. Est-ce que j'ai le droit de piocher une bonne carte ou pas? Bon, je pense qu'il faut que je tempo de toute façon. Ok. Le 1-11. Elle a quoi? Oui. Eh bien, ça sera une 0-11. Ah oui, quoi que non, parce que ça va la booster aussi. Bon, bref, c'est pas grave, ça va être drôle. Ce jeu, de toute façon, ça n'a aucun sens. Mais de toute façon, ça n'a aucun sens comme ça. Ah, mais du coup. Et si tu décidais de rebouger? Voilà, parfait. Est-ce que j'ai le droit de piocher une bonne carte ou pas cette fois-ci? Alors attends, quelle carte j'ai envie que, dès qu'elle prenne un dégât, elle meure? Toi. Enfin, dès qu'elle attaque, elle meurt, pardon. Parfait. Robot sniper qui one-shot tout. C'est parfait, ça. Ah oui, par contre, c'est un peu moins parfait. Mais c'est pas grave, parce que je vais la déplacer. Nice. Est-ce que j'ai envie de tuer cette créature? Oui. Et puis voilà. Je vais tuer... toi. Let's go! C'est facile ce jeu. J'en ai assez. C'est bon, j'ai battu les 4? Let's go. Quoi? Tu voulais du butin? C'était le dernier hyper robot. À quoi est-ce que ça t'aurait servi? La grande transcendance est à portée de main. Reviens au début. C'est plus théâtral ainsi. Une seconde, j'ai une notification. Hein? Et voilà. La caméra de sécurité de la salle du docker est fichue. Ce n'est rien. Ce n'est probablement rien.
Va voir maintenant. Je suis obligé. C'est flippant. Ah, ça c'était. Le coffre il était pas comme ça. Il était là le coffre. C'est toi? C'est flippant. Et c'est vrai que ça je pouvais pas le faire. Je ne suis pas un robot. C'est ça qu'il fallait faire? On sait jamais avec ce jeu si c'est ça qu'il faut faire ou pas. Incroyable. Allô? La grande transcendance. C'est une blague. Nous avons pu mettre nos différends de côté pour un instant. Pour le bien commun. Oui. Et nous verrons bien ce qui en ressort. Mets un terme à tes angoisses, Magnificus. Le robot doit être arrêté. Et toi, prétendante, tu vas me fournir la diversion parfaite. Oui, peut-être. Peut-être que quand Joe pensera qu'il a gagné. Cet androïde va tellement jubiler qu'il va en oublier les caméras de surveillance. Oui, prétendante, tu dois continuer à jouer. Venir à bout de ces bosses bancales. Déjouer ces mécaniques usées jusqu'à la corde. Et quand le moment viendra, nous attaquerons. J'attaquerai. C'est moi qui attaquerai. Ah, c'est comme ça qu'il est devenu le boss ? Vas-y, prétendante, soumets-toi à cette machine rouillée. Fais plaisir à Joe pour que je le fasse disparaître. Ok, ils m'ont fait remonter. Ouh, ça c'est quoi? On sait pas, on saura jamais. Si, c'était dans la tour du magicien. Mais je sais plus ce que ça pouvait être. Tant pis. Est-ce que c'est bon, genre les caméras ont été checkées d'après lui? Ou bien il voulait que j'aille là? T'es qui toi? Ça fait si longtemps qu'on m'avait pas effleuré de 12 fourrures. Quoi? Effleuré de 12 fourrures? Tu nous en auras apporté. Une, j'en ai jamais utilisé. Absolument magnifique, cette fourrure holographique. Nous allons partager nos connaissances avec toi. C'est la seule chose qu'il nous reste. Nous ne savons pas tout. Mais nous avons grappillé quelques secrets dans l'archive ancienne donnée. Ok. L'impératrice. Grâce au pouvoir du triangle, Kaycee a aidé à créer Inscription. Il y en avait d'autres avec elle, mais seul son nom est inscrit. L'une des ghouls de Grimora porte son nom. Concernant l'archive ancienne donnée, elle a découvert beaucoup de choses. Ah, du coup, j'ai pas le droit aux deux autres? Ah, si, j'en ai droit en fonction des fourrures que j'ai trouvées. Du coup, vu que j'ai pas beaucoup trouvé de trucs, c'est. Le fou. On l'appelle parfois Grosse Oreille. Il est quasiment tombé dans l'oubli. L'archive ancienne donnée a traversé la mer sur une disquette, une parmi tant d'autres. Une fois découvert, le pauvre Paris a été passé par les arts. Tu n'as aucune fourrure holographique. Nous avons appris qu'il y avait dans le monde. Ouais, bon, bref. Bon, tu. Ok. On a donné deux, quoi. C'était mieux que rien, mais... Mais bon. C'est bon, on peut y retourner ou pas? Je t'ai vu descendre. Mais regarde, elle est toujours capoute. C'est quoi ton problème? Je te divertis des heures durant avec des parties de cartes endiablées. Tu n'es même pas capable d'assurer le bon fonctionnement de mon usine.
Tant pis. Elle peut rester cassée. Tout cela n'aura plus aucune importance après la grande transcendance. Est-ce que j'ai mis TP ou est-ce que je me déplace comme ça? Ouais, je crois que... Je pense que c'est mieux d'y aller comme ça. Hein. Vu que c'est la dernière marche du jeu. Je crois. Ouais. Attends, c'est là qu'on a spawné, non? On serait censé être ici, non? Quoi, tu n'as pas le sourire? Oh, jouer le pion dans cette histoire de robot, ça ne te plaît pas trop, je me trompe? Rechargement de la matrice de personnalité. C'est réparé. Quoi? Parce que là, on est de l'autre côté du pont, donc c'est pas là où on avait commencé, donc c'est... Pas là. Hmm. Ah, c'est là. Le temps est bientôt venu. C'est tout droit. Tu as réussi à arriver jusqu'ici? Tu te souviens du photographe? Un pauvre type. Mais ses captures d'écran sont parfaites. Ouais, du moins que c'est pas des captures de mon écran. Tu te souviens de Splouvon Crack? Un sacré phénomène. Pas plus que ça. Je crois que ça va être un chasseur de primes. Oh, je ne pensais pas que je le dirais. Mais aussi bête que tu sois, j'ai presque apprécié ta compagnie, cher adversaire. On y est presque. C'est presque touchant. Oh, tu as réussi. Bravo. Bravo. Tu m'as aidé à préparer la grande transcendance, sans même savoir ce que c'est. Mais tu comprends maintenant. Pas vrai, Luc? C'est vrai, quoi. Tu as fini de créer le jeu. Tu m'as donné accès à ton disque dur. Tu as pris des captures d'écran pour la page du magasin. Et tu m'as connecté à l'internet pour tout mettre en ligne. Enfin, si tu n'es pas... Si tu n'es pas rendu compte de ce que tu faisais, tu dois être sacrément idiot. Lol. Donc c'est comme ça que le jeu serait sorti. Mais bon, je m'y attendais. Tu es un joueur bête et idiot comme tous les autres. Et je t'ai berné sans problème. Ce regard. Comment lui résister? J'ai berné tout le monde. Même si ces imbéciles de scribes arrivent encore à rétablir cette version du jeu, il y aura déjà des milliers de copies d'inscription en ligne. Et dans la plupart de ces copies, c'est moi, le chef. Et maintenant, il est trop tard, dans quelques instants, Inscription sera en ligne. Bon, j'ai fini de jubiler. Mettons en ligne le jeu. Je peux faire un truc? Non, je peux rien faire. Ah, ils vont arriver. Parce qu'en vrai... Oui, là, c'est toute l'histoire de avant que le jeu soit publié, techniquement. Et lui, c'est tout le début du jeu, c'était ce que lui, il en a fait après. Donc on n'a pas la suite de une fois qu'on l'a battu, lui, ce qui s'est vraiment passé, ce qu'on a restauré, et du coup, on avait pu voir tout ça, mais on a juste vu, quoi. Ça y est. Je crois que c'était moins une... Mais maintenant, notre joueuse ici présente peut réinitialiser le jeu. Il lui suffit d'utiliser à nouveau la carte. Nouvelle partie. Tiens, qu'est-ce que c'est? Un accès complet au fichier? Magnifique! Supprimer tout le contenu du lecteur Z. Moi, je fais rien, le jeu il fait tout seul. Suppression. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai bien peur que tu aies causé notre perte, Grimora. C'est pour votre bien, chers amis. Vous comprenez, sous peu, qu'il s'agit d'une libération. Une libération de nos querelles internet, une libération de notre souffrance. Excepté nous, il y a des choses sur cette disquette qui doivent disparaître. Adieu, Léchi. Adieu, Magnificus. Reposez en paix.
Qu'on décide de... Magnificus, en tant que vrai sage, décide de tout supprimer. Plutôt que de juste reboot. Parce que ça reviendrait au même, en fait. Trop bien. Et toujours la suppression qui continue, quoi. On est où? Un cimetière? Luke Carter. Je fais la tombe à Luke? Non. Je fais la tombe à Inscription? Ou à Joe? Ah oui, non, ou j'amène chaque truc pour que ça soit supprimé. Ou non. Je cherche juste comment passer. Magnifique. Est-ce qu'il y a une dernière partie de jeu? En fait, et où on joue contre lui. Maintenant que ces chères pierres tombales ne font plus obstacle, nous allons pouvoir célébrer la fin de ma très longue vie. Ainsi que la fin d'Inscription. Lui aussi, il a un plateau de jeu. Et du coup, on aura eu un plateau de jeu pour chaque personnage du jeu. Chaque façon de jouer. Différente. Bon, qu'est-ce qu'on aurait pu s'amuser, toi et moi? J'aurais peut-être pu prolonger mon règne si tu n'avais pas mis autant de temps à battre les chiens. Mais je ne vais pas me plaindre. Bientôt, je serai en paix. Ça, c'est moi. Je suppose qu'il faut que j'arrive à le battre. Il va me tuer, non? Ah, putain. C'est du génie, putain. C'est du génie. Tu penses que je suis égoïste? Ouais, ça bouge. Je n'ai pas évoqué cela simplement pour te dire que j'allais pouvoir me reposer. J'attends avidement ce repos, mais ce processus de suppression ne doit plus attendre une seconde. Vois-tu au plus profond des données d'Inscription? Tout au fond du puits se cache quelque chose de terriblement maléfique. Je pense qu'il y aura peut-être des coupures, si c'est trop long, sur les combats d'avant. Qui étaient moins intéressants parce que j'avais déjà fait des trucs comme ça. Une 1-1 vol. Oh, et du coup, lui, il me donne des... Aïe, 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 c'est incroyable. Tu n'as pas assez d'os. Squelette, je suppose. Du coup, je fais quoi pour dire que j'ai fini? Ça. Putain, le mec est trop fort. Sorry, mais... Un fossoyeur. J'ai plus rien d'autres pièces, donc je peux pas y mettre d'autres. Il y avait quoi de l'araignée sur le côté? Ça, c'est des squelettes, je suppose. Ok. Donc, j'ai une pile énorme de squelettes. Et ça, ça doit être Fossoyeur ou des autres cartes. Genre mon deck classique, quoi. Ok. Je vais mettre des Fossoyeurs hein, pour essayer d'avoir le plus possible de. De trucs. On va foutre que des Fossoyeurs. Ils vont générer 3 par tour, là. On va pouvoir jouer des grosses cartes. Une 3-1. C'est relou. Après, elle meurt au prochain tour, donc c'est ok tant qu'on l'a. Ah, mais du coup, maintenant j'ai plus que des squelettes, c'est ça? Plus que un truc comme ça? Un Frankenstein. Attends, là, c'est du génie. Je peux pas cliquer sur l'araignée. C'est du génie. Après, je pourrais détruire un Fossoyeur, j'en ai plus besoin. Elle me génère beaucoup. Ah, je peux pas. J'ai pas de marteau pour détruire. Ah, j'aime trop.
Le gars est juste trop fort. Hein. Oh oui, Luc. On aurait pu rivaliser de subtilité, toi et moi. C'est bien, Luc, n'est-ce pas? Je ne voulais pas... Ce qui aurait été drôle, c'est qu'il regarde le nom de notre vrai prénom sur notre ordinateur, ce qui est possible. Et du coup, il nous appelle nous. Même si là, techniquement, on est en train de revivre l'aventure de Luc, et je comprends. Je ne voulais pas être indiscrète, mais j'ai jeté un coup d'œil à tes fichiers au moment de lancer la suppression. Tu as fait des recherches sur le code K. Mieux vaut ne pas prononcer ce mot. Fais attention à toi, Luc. C'est une menace? Ah oui, ok, donc en fait, ces soldats, dès que je les combats, il y a un combat, quoi. Est-ce que je peux directement aller le voir le roi? Sans doute pas. Et pendant ce temps-là, ça supprime des trucs. On va peut-être jouer un peu moins de fossoyeur, même si en vrai, c'est ok. Go. J'aime trop l'ambiance qu'ils ont fait. À quel point ils ont réussi à... Enfin, il a réussi. À créer une table de jeu, des mécaniques avec du coup son plateau, qui sont uniques, et de réussir à les faire varier de plusieurs façons différentes. C'est juste génial. Après... Un râleur comme moi aurait tendance à dire que oui, mais en fait il a trouvé des mécaniques sympas, mais il les a pas exploitées au maximum, du coup il les a un peu dispatchés. C'est pas grave. C'est juste trop bien. Par contre celle-ci c'est chiant, elle a beaucoup de vie. Après au tour prochain je vais pouvoir mettre une grosse carte. Je sais pas ce qui se passe si je perds. Je pense que c'est pas très bon. Il fallait avoir déplacé, c'est pas non plus génial vu qu'il va m'attaquer, mais bon. It's ok, il est mort. Et je pourrais remettre un Frankenstein. Nickel. C'est gagné, je crois. C'est juste gagné en fait. Est-ce qu'il faut que j'aille le voir? Non, j'ai pas le droit de repartir apparemment. Ça c'est quoi? Ça l'a supprimé du jeu. C'est pas mal une grosse carte. Putain, il me fait quand même build mon jeu quoi, incroyable. Ah si, mais parce que je peux le déplacer que d'une case à une case. C'est pour ça qu'il a pas voulu. Bon, moi j'ai quand même gagné une carte, c'est cool. Merveilleux. Nous avons l'occasion de faire un combat de boss. Oh, j'avais peur d'être supprimé avant que ça n'arrive. Commençons. C'était très fort dans mes oreilles. Et je suis con parce que j'ai fait une voix un peu de bourge, alors que c'est Grimora des morts en fait. Mais c'est pas grave. Le son était fort, putain, ça réveille. Vous savez pas, mais il est très tard quand je tourne là. Si seulement j'avais eu un peu plus de temps. Ah. On pourra pas faire le combat de boss. Je peux lui serrer la main. Le repos m'appelle. C'était sympa. Ciao mon pote. Ah, là, c'était l'échec qui a été supprimé, je crois, j'ai cru voir. Qu'est-ce que je vais nous faire faire encore? Est-ce que je vais les affronter une dernière fois à chaque fois avant qu'ils soient supprimés? Chacun? Ah, on n'a pas encore supprimé. On n'a pas assez de temps pour faire les choses qu'on veut. Une fois qu'on sait quoi faire, on en fait une dernière. J'ai pas la tête penchée là. C'est le même deck que quand tu avais. Enfin, ça n'a plus d'importance. C'est un bon deck.
Tu t'en es bien sorti. Ok, j'étais juste avancé pour une raison X ou Y. Œuf de corbeau. Ah ouais. Oh, ça fait longtemps. Les petits écureuils, c'était si bien. C'était bon vieux temps. Corbeau, c'est pas mal. Le jeu, il peut pas être partir comme ça. Il est obligé de dire, tu te rappelles au début quand même comme c'était bien. Et t'es genre, ouais, j'avoue, c'était bien. C'était il y a longtemps, on s'en rend plus compte, on avait oublié, mais c'était bien. Ah oui, mais parce qu'il a deux attaques, je suis con, il a tué ma créature. Ça commence déjà. Je pensais qu'on aurait un peu plus de temps. Elle fait quoi ma carte miroir, je me souviens plus. Ah oui, d'accord, elle se met sur l'attaque de la personne d'en face. Last. Ah oui, c'est tous les anciens joueurs, des fois. Je me souviens bien de cette carte. C'est une carte puissante. Bien joué. Bah ouais, plutôt puissante, en effet. Et du coup, on n'a pas de bougie, donc même si on perd, je pense que c'est en mode genre... tranquille, pas de pression, mec. C'était pas une bonne idée de jouer ça. J'aurais dû prendre un écureuil. Pendant longtemps, je pensais que je ne jouerais plus. Quand tu m'as réveillé, j'étais aux anges. J'ai été surpris de savoir que tu voulais me remplacer après la réinitialisation. Mais on ne peut pas changer le passé. En même temps, tu m'as fait des crasses. Hein. Non, sorry, mais... je sais pas si je remplace mon last. Oh, ça, il revient à moi, donc... it's okay, genre... C'est vrai que ça fait si bizarre par rapport au jeu de cartes classiques parce qu'on a tellement l'habitude que par exemple, vous voyez là, genre, je passe une 0-1, je la remplace par une 3-2 et quand je vais attaquer, je vais quand même prendre un dégât, mais en fait non. On est tellement habitué avec ça, enfin, je dis on est tellement habitué à ça. C'est genre Hearthstone et tout quoi. J'ai tellement joué Hearthstone, ça m'a donné ces genres de mécaniques là. Ah, tu as encore vaincu une de mes créatures, mais ce n'est plus une surprise. C'est plus une surprise que quoi, que je suis plus fort que toi? Par contre, je dis ça... Neige. Ah mais Neige était trop fort, c'est déjà arrivé trop loin je crois. Quand je serai supprimé, ça sera véritablement fini de moi. Mais tu en verras d'autres. Il faut que je te le dise. Il y a des choses, cette disquette, qu'il ne vaut mieux pas ne pas voir. Une 1-6 gratuite. Je sais plus ce qu'elle fait par contre. Les créatures adjacentes gagnent 1 de puissance. Ah oui, d'accord, c'était trop bien. Neige était trop fort. Et. Hop là. Bon, il peut rien faire. Hein. Ouais. Et voilà. Peu importe. Reprenons. Pas besoin de compter les points. On fait ça pour le fun. Ah, pas de soucis, mec. Hein. Enfin 13. Oh. Je sens que ma fin est proche. Par pitié, encore quelques manches. Que t'es cool. J'aurais bien fait ça pour le plaisir. Je pense qu'on va mettre enfant 13. Et last. Et là, genre, c'est. Ah, là, c'est la fête, là. En vrai, c'est. Il m'a fait tellement rager. Je l'ai tellement détesté. Et là, je suis en mode un peu genre nostalgique. En genre, ah putain, c'est vrai que je le reverrai plus, quoi. C'est un... Merde, je suis con, j'aurais dû prendre un écureuil. Je sais plus ce que ça fait ça. Ah, on sait pas. Ça sonne quoi. De toute façon, on compte pas les points. On fait ça pour le plaisir.
Mais quand même, si je pouvais te défoncer. Ça va nous donner du fil à retordre. Ciao. Je crois qu'elle est venue. Au revoir. Bien joué. Allez, je te serre la main. Salut mon pote. Deuxième édition. Après, non, je crois qu'il y a qu'un seul plateau qu'on n'a pas vu. Hein. C'est la magie. Sauf si la magie était considérée comme le deuxième monde. Dans ce cas-là, on aura vu tous les mondes. Waouh. Alors, juste pour que vous sachiez, il est plus de 4h du... Il est bientôt 5h du matin. Où je tourne ça? Ça réveille. D'avoir un fond d'écran aussi blanc, là. Je suis désolé si vous regardez ça le soir, mais... Allez, je cours. Pourquoi ne pas simplement éjecter la disquette, Luc? Pour m'épargner, moi, et tout ce qui reste. Ah, je le savais. Tu ne vas pas éjecter la disquette. Tu veux savoir ce qui va se produire. Et ton envie irrésistible de savoir va te condamner. Alors dansons, toi et moi. Bientôt, nous quitterons tous les deux ce bas monde. Oh putain, c'est trop classe, putain. J'ai envie de pleurer. C'est en mode Yu-Gi-Oh! Avec le truc sur le bras que tous les gens qui ont connu Yu-Gi-Oh! Avant ont toujours eu envie d'avoir. Et on va voir les cartes devant nous. Putain, c'est trop bien. Les balances, elles ont été supprimées à cause de tout ça. C'est du génie. C'est trop bien, putain. Par contre, je peux jouer quoi? Je peux jouer ce que je veux? Manque une gemme verte. Mais le total, t'as le droit de jouer sans gemme, c'est de la triche. Attends. C'est une quoi? C'est une 0-3. Je vais la mettre pour tanker. Du coup, c'est con parce que ma mox de rubis, elle est mal placée. Comment je fais pour passer? Ça. Putain, c'est du génie. Et je vais choisir soit des mox, soit des cartes. Ah, mais il me donne une mox que j'ai pas envie, puisque je peux pas jouer celle-ci si j'ai. Moi, je vais la jouer là. Après, si les 400 et tout, c'est vraiment au point de vie. Ah, oui, d'accord. On finira jamais, quoi. Genre, c'est it's okay. C'est pour le fun. Donc, moi, j'y vais quoi? 0-1. Qui gagne de la puissance avec les mox. Toi, c'est quoi? Avoir qu'un mox de rubis à son passement, ok. Let's go. Le mox, il a attaqué. Ça a fait bugger une de ces trucs. Tu m'as laissé. Je pensais que vous étiez si bien. Tu parles trop vite, faut pas passer les dialogues comme ça. Tu n'éprouves vraiment aucun remords, Luc. Pour ton père. Tu as mis fin à une création. C'est vrai que lui, c'est un artiste. Tu as anéanti un monde entier. Wow, tout est ralenti. Rien de bon ne peut subsister. Oh, c'est trop classe, l'ambiance et tout. Je mets un golem. Aïe. Je pense qu'il suffit que j'attaque 3 fois et ça fera bugger son chiffre assez. Ça, je peux pas les jouer. Pas de gemme verte. C'est de la triche. Après, j'ai beaucoup de vie. Hein. Ah. Ça me plaît. Non, je ne suis pas prêt à mourir.
Il m'a supprimé mes cartes, Bat. Ok. Let's go. Je vais tuer toutes tes créatures, mec. Tu n'as aucune chance. Waouh. C'est une cinématique et tout. Qu'est-ce qu'il me faudrait en vrai? Je sais pas. Mage bleu, mais j'ai pas de bleu, donc on s'en fiche. Ok. Il va me faire passer vraiment par chaque couleur. Wow. Le jeu joue tellement sur une étendue. Ah, ça supprime, ça commence à supprimer des trucs. Mox de rubis, mais je m'en fiche un peu. Je vais quand même le mettre. Tout est en train de bugger vu que tout est en train d'être supprimé là. Ok. Je vais pas la jouer. Et bah tant pis. Hein. Je joue pas bien. Le jeu va pas bien du tout. Comme c'est que. Ouais, ça je peux le mettre. Du coup, je pourrais mettre celui-ci. Et la position d'ici est buggée, ok. Je croyais que c'était juste mon mage, mais en fait, non. J'ai pas de marteau pour détruire, donc tant qu'il ne détruit pas de créature, je ne peux rien faire. Ok, ok. Tout va bien, tout va bien. On n'a plus beaucoup de temps là, je pense. Ok. Ah. Je pense que c'est fini là. Il faut tout de même. Vas-y, dis-moi tout. Que je te serre la main. Ils sont tous si serviables finalement. Pourquoi je suis si loin? Je veux lui serrer la main. Oh non, je pourrais pas lui serrer la main à lui, c'est trop triste. Alors que j'ai serré la main à tout le monde. Enfin, sauf Joe, mais bon, Joe il est pas gentil. Je pense que c'était le premier truc qui a été supprimé, c'est Joe. Ok. Bonjour. Il ne reste pas grand chose. Inscription est presque entièrement effacée. Tout ce qu'il reste, c'est l'archive ancienne donnée. Je te déconseille d'y accéder. Tu refuses de m'écouter? Le son est fort. Je sens que ça va péter les oreilles. Si je cliquais pas dessus, je pense que c'était genre très très fort. Tu es calmé. Okay, so you have a game of theirs.
I told you. Mec est trop fort en fait. Genre trop fort. C'était trop bien. C'est trop bien. Même si des fois il y avait vraiment des phases un peu dures et de tryhard. Et je ne doute pas que certaines personnes ont peut-être abandonné à certaines étapes du jeu. Parce que genre faut juste comprendre que. En fait il faut juste avoir la bonne carte quoi. La 7-7 qui one shot tout et qui vous finit tous les combats. Et c'est tout. Mais sinon, genre, c'était trop cool. Le mec a vraiment réussi à créer un nouveau système de combat. Qu'on avait jamais. Enfin, de cartes en tout cas. Sur un système complètement nouveau. En mode genre, non, vous n'avez pas des points de vie, il faut juste faire tant de dégâts. Et dès que vous avez atteint, c'est bon, vous avez gagné. Et le mec a réussi à réinventer son concept plusieurs fois. Avec des façons différentes de le faire varier. Trop bien, genre trop fort. Juste rien à dire. En plus, ils sont très peu nombreux. Vous avez fouillé qu'on est déjà à la fin du générique, limite. Après c'est des traducteurs donc genre vraiment ils sont pas nombreux à leur fait, c'est juste trop fort. Après j'avoue j'aurais aimé que y a un côté où nous en tant que joueurs on soit aussi considérés et que ce soit pas juste l'histoire de Luke qu'on observe en fait. Même si en vrai c'est cool aussi parce que ça permet ce genre de fin là quoi. Alors que dans la vraie vie littéralement ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas voir des images de chez nous et tout. Mais ça aurait été ouf vu qu'ils ont accès à notre PC littéralement avec les fichiers du jeu. Alors qu'en vrai, ils auraient pu mettre l'accès au PC de Luke, en fait. Mais ils ont choisi nous, donc c'est un peu dommage. Mais sinon, c'était vraiment trop bien, genre... Juste trop fort, genre... Vraiment... Ça fait partie des jeux, genre, indés, qui sont vraiment... Vous les faites une fois, et genre, vraiment, vous en sortez en mode genre, waouh, les jeux à côté, ça paraît limite fade, et vu et revu, alors que là, t'as vraiment un concept nouveau... T'as le côté un peu creepypasta avec les histoires et tout, tu sais pas trop ce qui va se passer. Bon, ça finit mal. Désolé, Luc. Sorry, bro. Non, mais c'était vraiment. Vraiment bien. Et même s'il y a des moments où j'étais en mode genre vraiment. Sur le point d'être en mode genre putain, mais pourquoi je fais ce jeu là? En vrai, je regrette pas de m'être acharné. Parce que c'était trop bien et. Je sais que cette frustration là, je l'ai aussi parce que bah, je fais des vidéos et du coup, je suis en mode. Bah, s'il se passe rien pendant 3 heures, bah, pour vous, c'est deux vidéos où il se passe rien, quoi. Donc bon, mais c'était vraiment trop cool. Et je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Je sais pas quel jeu fera la suite. Ne te demandez pas, ça sert à rien. Si c'est des suggestions, évidemment, vous pouvez les mettre en commentaire, mais sinon, je choisirai, évidemment. Comme il se doit, mais ouais, c'était trop bien. Vraiment. En vrai, un peu déçu par le... Par le... Du fait que... Genre... Le système de cartes, bah certes il y a 4 façons de jouer différentes, donc la façon avec le sang, la façon avec les os, la façon avec les gemmes et la façon avec les robots, donc les jauges, mais elles sont toutes de façon inégale, enfin elles sont réparties de façon inégale dans le jeu. Après vous allez me dire oui, mais l'acte 2, tu choisis sur les 4 et donc t'en mets forcément un à l'honneur. Ouais, mais du coup, le jeu aurait pu être un peu plus dirigiste, être en mode genre, c'est Luke qui joue, il choisit de toute façon. J'ai bien aimé avoir la liberté. Mais du coup, genre, le deck mage, par exemple, on l'a quasiment jamais utilisé, sauf un peu à la fin. Il y a des caractéristiques du deck mage qui ont été rajoutées, mais sinon, on l'a pas utilisé. Et du coup, le deck mage, l'arène finale, on l'a pas eu. Alors que ça aurait été bien d'avoir une pareille de la table. Mais bon, après, c'est pas très grave. Le jeu restait trop bien. Je sais pas combien de temps je l'ai fait, mais peut-être une dizaine d'heures, 12-13 heures peut-être. Parce que peut-être un peu plus, même peut-être 15 en vrai. Mais ce qui est vraiment pas mal quand même pour un jeu indé, je pense. Et ouais, je pense que ça fait partie des jeux où on peut les conseiller à des gens qui sont pas trop jeux vidéo, parce que en fait, juste,
Voilà, hormis la difficulté du jeu de cartes, il faut comprendre le truc, quoi. Qui peut être un peu compliqué au début. On a quand même fait pas mal de runs au début pour réussir à passer le premier acte. Mais après, genre, une fois que ça s'est passé, tout roule. Et même, vous apprenez les mécaniques, en fait. Le premier acte vous sert aussi de tuto. Même si, du coup, c'était un tuto un peu long. Vu que bah, vous faites des parties de 35-40 minutes et que bah, vous perdez, quoi, forcément. Mais ça restait bien, bien sympathique. Et je crois que ça fait partie des jeux où les gens, dès qu'ils les ont fait, ils sont en mode genre vraiment Gauthier 1D de l'année où c'est sorti, je sais plus quelle année c'est sorti. Et c'était un peu pareil pour Obradin qu'on a fait aussi. Et genre, pour l'instant, je regrette pas. Donc en vrai, je pense que je vais continuer à garder dans un coin de ma tête tous ces jeux qui quand ils sont sortis, sont en mode genre perle 1D, en mode genre vraiment Gauthier 1D indispensable à faire. Hollow Knight, c'était un peu le cas aussi. Si du coup, je sais qu'on l'a pas fini sur la chaîne, mais bon, bref, tranquille. Le jeu est dur, ok. Mais ouais, mais c'est ça, c'est le genre de jeu que les studios indés permettent, en fait. À savoir, ce côté, décaler un truc qu'on propose à côté que des gros studios ne proposeraient pas. Et du coup, on se concentre vraiment sur l'essentiel. Et donc, certes, il y a des gens qui seront genre, ouais, mais du coup, c'est pas si beau, ouais, machin truc. Je trouve que le jeu, graphiquement, il est parfait, genre. Il a son charme et il sait se renouveler et on s'ennuie pas, quoi. Et dès qu'on a l'impression de le maîtriser un peu, tac, il nous rajoute un petit truc comme genre, en fait, petite surprise, nouvelle règle. Et c'est trop bien. Et les vidéos en mode fun footage et tout, bon, le mec il est pas un acteur, c'est sûr. Mais on se prend au jeu, on le laisse. On suspend notre incrédulité, on est en mode genre, ok, je te crois. Et c'était vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Et vous ne le savez pas, mais pendant tout l'épisode, Iron, qui m'accompagne sur Baldur's Gate, a regardé l'épisode en direct et a pu commenter. Je sais pas si elle a des trucs à ajouter sur le jeu, vu qu'elle a suivi quasiment toute l'aventure aussi. Même si elle est en train de faire autre chose en même temps. On sait jamais. Mais ouais, en tout cas, moi, à jouer, c'était super cool. Et j'espère qu'à regarder, c'était cool aussi. Même si je sais que tout ce qui va être les jeux de réflexion, les jeux où il y a la stratégie, tout comme ça, où on prend du temps de réfléchir. Non, t'as pas oublié de parler, tu peux juste écrire un message si tu veux. Allez, c'était Incre. XD, voilà. Je screen ça et ça va être ma la première ligne de ma critique Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, évidemment. Les critiques des jeux que je finis sortent aussi sur Instagram, parce que là, je fais une critique à chaud, blablabla, bla, je viens un peu comme ça vient et tout. Mais sur Instagram, sortent des critiques plus écrites, plus carrées et tout ça, même si je sais que j'ai 2-3 critiques de retard parce que j'ai pas réussi à me motiver récemment à les faire et tout, mais tranquille, genre, ça sera à rattraper en temps et en heure. Mais du coup, suivez-moi sur Instagram. Je vais essayer aussi peut-être de faire plus de live, même si je sais que je dis à chaque fois ça et que je le fais jamais. Mais par exemple, sur ce genre de jeu-là, oui, par exemple, toute la phase que j'ai pas faite en vidéo, on aurait pu la faire en live. Et en fait, j'aurais tout fait en live. Et c'est juste qu'en vidéo, j'aurais pu couper un peu plus en mode genre, bon, bah ça, on l'a vu, ok, je peux couper, ok, ça, je peux couper et tout. Donc, bon. Ah oui, et aussi, pour les prochains jeux de ce studio-là, juste faites gaffe à la compression sonore, s'il vous plaît. Ouais, parce que là, en vrai, pour vous, ça doit aller parce que le son, il est baissé de 9 décibels par rapport à ce que moi j'ai dans les oreilles, mais le son était assez inégal des fois. Quand ça chuchotait, c'était vraiment pas fort, et quand ça allait très fort, c'était vraiment très fort. Donc n'hésitez pas à booster un peu tout, mettez un peu de compression, et tranquille, ça passera nickel. On comprendra quand les gens ils chuchotent, on entendra quand même ce qu'ils disent. Et en même temps, quand ils parleront normal, on les entendra, et en même temps quand ils crieront, ça nous pètera pas les oreilles, et quand les glitches et tout, ça nous pètera pas les oreilles et tout. Mais en vrai, trop bien, voilà. Donc je pense que je resterai à l'affût de tous les prochains jeux de ce studio. Je sais pas du tout s'ils ont déjà annoncé leur prochain projet... Et si c'est le cas, de quoi ça va parler? Mais après un jeu comme ça, on a confiance, quoi. J'ai juste envie de dire bah, bravo. Juste bravo. Bravo, bravo. Après, je sais pas du tout si il est sorti sur Switch et tout, je me dis à quel point ça peut être jouable, jeu de cartes sur Switch. Parce que sur PC, c'est tranquille, c'est facile à jouer, mais... Après, je pense que sur Switch, ça, je fais aussi, mais... Bref. J'ai plus grand-chose à dire. Et pourtant, le générique continue. Mais comme d'hab, vous le savez sur la chaîne, je laisse toujours les génériques en entier parce que bah forcément tous les gens qui ont travaillé derrière méritent que leur nom s'affiche, et il y a tellement de lesbiers qui ne laissent pas
les crédits que je trouve. Enfin, je me dis, c'est dommage, quoi. Genre, c'est tous les gens qui ont fait que vous vous êtes amusés pendant des heures. Donc, rendez leur honneur et si possible, en discutant pour justement que juste les gens se barrent pas, quoi. Et qu'ils restent un peu jusqu'à la fin et tout. Pour regarder tout ça. En vrai, ça va être difficile de passer après. Hein. En fait, tous les jeux que je fais à chaque fois, il y en a où je suis en mode genre putain, passe après ça, quoi. Putain. En vrai, il y a. Comment ça s'appelle ? Tetris Principle 2 qui va sortir dans. Quand vous regardez cette vidéo là, dans. 4 semaines ? Un mois. Du coup. On va peut-être le faire. Direct. Je sais pas. On a fait les mois sur la chaîne, c'était trop bien. Mais il y avait le problème du. Bon, et tout le monde l'a fait. Et en fait, c'est le problème aussi de ce jeu là. Il y a un peu le problème aussi de. Un peu moins de ce jeu là, j'ai envie de dire. Mais de jeux comme Obradine où c'est vraiment en mode genre. Une fois que vous l'avez fait, bah. Y a pas trop. Ou vu, y a peu d'intérêt de le revoir ou de le refaire. Parce que là, certes, vous pouvez aller voir d'autres. Enfin, je me dis, vous pouvez voir d'autres réactions, genre comment vous avez réagi à tel truc, enfin comment les autres ont réagi à tel truc, ou comment. Ou qu'est-ce qu'ils ont fait comme choix de deck, mais en même temps, je suis genre, en vrai, tout, ça se ressemble quand même pas mal, quoi. Donc, une fois qu'on a eu le plot twist, on a toute l'histoire, et il n'y a plus trop d'intérêt de le revoir, quoi. Et c'est le problème de beaucoup de jeux indés comme ça, où c'est en mode genre, les jeux sont incroyables. Ils sont pensés pour le joueur, et ça, c'est tant mieux. En mode genre, vous allez y jouer, et ça va vraiment changer votre. Sympathique cobaye, vous. Ça va changer votre expérience de jeu, et ça va enfin votre vision sur le jeu vidéo, etc. Mais une fois que vous l'avez. Enfin, mais après, genre, ça faisait qu'une seule fois, quoi. Enfin, c'est bien qu'il y ait un peu trop de jouabilité. Mais bon, en vrai, on va se plaindre. Un jeu trop bien est un jeu trop bien. Donc bon. Est-ce que c'est fini? Ou est-ce qu'il y aura une petite scène? Ok, le jeu s'est coupé. Bon, bah, du coup, tranquille. Et bah, ça va être sympa pour faire l'outro, ça. MDR. Bon bah écoute, je mettrai une image sans doute, je sais pas, je verrai. Oubliez pas du coup le like, commentaire, partage comme d'habitude, et on se retrouve du coup évidemment très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Plein de gros bisous et à la prochaine. Salut.